J'aimerais vous partager aujourd'hui ce, ce, ce thème, ce sujet. Est-ce que les leaders de l'entrepreneuriat en francophonie sont dans le cœur ou pas J'ai vécu des très belles expériences ce week-end qui nourrissent le sujet d'aujourd'hui. J'étais à Paris pour le séminaire de Maxence Rigotier, Business en Or, avec 400 entrepreneurs de la sphère francophone et des intervenants aussi prestigieux que par exemple. Max Piccinini, qui est un des coachs francophones dans le top 5 des plus connus en francophonie. C'était très puissant, j'ai pas mal de choses à vous partager. J'aimerais aussi des informations exclusives sur la retraite entrepreneur dans le cœur pour ceux qui veulent réseauter en fin d'année, vivre une expérience spirituelle de passage du nouvel an en conscience et de bilan de votre année entrepreneuriale. Je vais balancer sur les entrepreneurs et les leaders dans le cœur de haut level qui seront là avec nous. Pour vivre cette expérience. Alors, euh, pourquoi je vous partage cette question-là de est-ce que les leaders francophones sont dans le cœur ou pas Parce que j'ai vécu des choses étonnantes ce week-end. Des choses qui m'ont fait changer d'avis sur certaines personnes en positif. Et des choses qui m'ont fait changer d'avis sur certaines personnes en négatif. Déjà, j'aimerais vous dire que l'événement en, en l'occurrence était organisé par Maxence Rigottier. Qui est quelqu'un, en fait, qui à l'heure d'aujourd'hui, je considère, est une très belle âme, quelqu'un de magnifique. Et ça, je l'ai vu que pendant ce week-end. Avant ça, je n'avais pas vraiment de jugement sur, sur lui, mais plusieurs vidéos que j'avais vues de lui me donnaient une impression d'un peu un marketing agressif ou une authenticité qui ne me semblait pas 100% présente. Et il y a beaucoup de gens en francophonie qui avaient vécu aussi ce, ce, ce truc-là. Et d'ailleurs, je suis allé en parler avec Maxence, à qui ça a parlé, et puis. Surtout ce que je lui ai dit, c'est waouh, quand je te vois sur scène là présent, euh, tu m'inspires énormément. C'est quelqu'un qui, est, qui, est, qui a démarré sa vie fermier euh, dans, un, dans le trou du cul du monde avec moins de 100 personnes dans son village et qui aujourd'hui est un multimillionnaire qui aide des centaines et des centaines d'entrepreneurs, voire même des milliers, à, à vivre la vie de leurs rêves. Et il fait ça avec en fait beaucoup d'authenticité, beaucoup d'amour, beaucoup de dévouement. C'est quelqu'un qui donne énormément et, euh, et derrière il y a vraiment des résultats, des gens qui ont réussi à transformer leur vie. Donc ce n'est pas que du, que du blabla tout ça. Euh, et il a fait venir vraiment des entrepreneurs exceptionnels à son événement. Par contre, moi il y a quelque chose qui m'a qui m'a fait poser question pendant son événement. Quelque chose qui m'a fait poser question. C'est l'intervention de Max Piccinini, donc qui est un des, un des coachs les plus, plus, rocophon, plus reconnus en francophonie. J'allais dire rocophonie, <laughs> j'ai mélangé les deux mots. Euh, Max Piccinini, qui est très reconnu en francophonie, comme je disais, c'est un des cinq coachs les plus, euh, les plus connus. Et moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est un, un passage de son intervention. Juste pour dire, c'était l'intervention la plus haut level. C'était la dernière intervention du week-end, c'était le dimanche Fin de, fin de journée du séminaire, il nous a envoyé, c'était un bulldozer. C'était une puissance, j'ai jamais vu ça. Il, son intervention était tout autour du, du fait que ce qui nous bloque à, à nous épanouir et à nous réaliser, ce sont nos peurs et nos croyances limitantes. Et clairement, il a mis des coups de bulldozer dans nos peurs et nos croyances limitantes. Mais vous voyez, derrière bulldozer, il y a un peu quelque chose d'agressif. D'ailleurs, c'est une partie de moi, hein, je peux m'approprier ce que je vais partager ici. Moi, c'est toujours intéressant pour moi de, de voir que les choses que je n'apprécie pas à l'extérieur sont des choses qui sont en fait en moi aussi. C'est une grande sagesse que Julien Musi partage énormément et j'ai l'impression que son focus est beaucoup là-dessus en ce moment. On aura Julien Musi d'ailleurs présent donc, à la retraite Entrepreneur dans le cœur de cette fin d'année. Si vous voulez le rencontrer, c'est dans le top 10 des coachs les plus, les plus reconnus en francophonie. Donc... Euh c'est l'occasion de passer, imaginez, euh, 7-6 jours euh, ensemble, en petit comité avec une cinquantaine de personnes, donc c'est juste euh, du pain béni. Je reviens sur mon sujet, Max Piccinini. Au milieu de son intervention, il fait monter des personnes sur scène, dont une femme, et il lui demande ses objectifs. Et elle, elle bafouille un petit peu, elle n'est pas au clair avec ses objectifs, et là, qu'est-ce qu'il fait Il lui reprend, il lui arrache le micro des mains, il dit, bah, si tu n'es pas au clair avec tes objectifs, tu peux juste aller t'asseoir, je peux rien faire pour toi. Paf, c'était, ça fait un blanc dans la salle, c'était waouh! Alors pour un hypersensible, pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'ai perçu comme agressif, pas authentique, pas dans mes valeurs, je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe là? Mais en même temps, quand je vis ça, je mets toujours un peu de recul, j'essaie de voir la situation en, un peu en métal. Je me suis dit, ouais, mais c'est aussi un cadeau qu'il lui fait. Là, il est en train de, de trancher, euh, c'est quelque chose d'assez agressif, ça va la remettre énormément en, en, en question. Donc c'est un cadeau. Et à la fois, c'est quelque chose qui n'est pas entièrement dans mes valeurs. Moi, je me pose la question à ce moment-là, est-ce que c'est un leader dans le cœur ou pas hein Quand il est en train de faire ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il est vraiment dans l'amour Est-ce qu'il est vraiment dans le don Et en effet, il est dans le don, il est en train de donner du temps, des prises de conscience. Mais pour moi, les leaders qui m'ont le plus inspiré dans mon parcours, ce sont des leaders qui restent dans l'écoute. J'ai vu des leaders faire ça aussi, mais le faire avec beaucoup plus de douceur. Et moi, en tout cas, dans mon système de valeurs, ça me parle le plus. Je pense que dans un système... De valeurs en général, de personnes hypersensibles comme moi, c'est ce qui va nous parler le plus. Donc j'essaie, en tout cas, moi, de rassembler à l'heure d'aujourd'hui des leaders en francophonie qui vont incarner un petit peu plus de douceur, un petit peu plus d'écoute euh, et, et une vibration du cœur et d'authenticité qui est très élevée. Ce sont les leaders que je rassemble pour la retraite entrepreneur dans le cœur. Je vous ai dit que j'en parlerai un petit peu plus. Donc euh, j'en parlerai un petit peu plus juste après, mais juste pour terminer sur cet événement de Maxence Rigottier. Donc sachez que la manière dont les gens apparaissent n'est pas toujours comment ils sont aussi en présentiel. Donc la manière dont ils vous apparaissent en digital n'est ne pas exactement toujours la manière dont ils sont en présentiel. Et j'essaie de coacher et challenger les leaders en francophonie là-dessus pour que la manière dont ils apparaissent en digital soit vraiment alignée avec la manière dont ils sont en présentiel et dans leur cœur puisse dès la première impression capter leur énergie et vraiment se dire ok cette personne elle m'inspire j'ai envie de travailler avec elle j'ai envie de la suivre j'ai envie de j'ai envie de prendre un de ses programmes j'ai envie etc si c'est quelque chose que vous avez envie de travailler pour vous-même je continue à faire des coachings à haut niveau pour des entrepreneurs et des leaders francophones donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et ce serait avec joie de vous aider là-dessus pour plus d'authenticité plus de magnétisme et convaincre les personnes dès la première vidéo, dès la première photo qu'ils vont voir de vous. Que ce soit vraiment très aligné entre qui vous êtes et votre message et votre image, ce qui se dégage de vous. C'est, Je fais toujours ce travail avec les leaders et je continuerai à le faire, même si je vais mieux, moins communiquer là-dessus, puisque maintenant je me focalise sur les retraites entrepreneurs dans le cœur et mon nouvel accompagnement qui sortira bientôt, qui s'appellera aussi certainement Entrepreneurs dans le cœur, mais qui sera un programme d'accompagnement collectif avec beaucoup de présentiel pour propulser les entrepreneurs dans leur chiffre d'affaires, doubler au moins leurs leur résultats et avoir un soutien collectif très fort. Ça, je communiquerai dessus bientôt plus en détail. Je reste sur le sujet donc de, de ce séminaire. Par exemple, Massens Rigotier m'apparaissait comme pas 100% authentique, aligné, etc. En fait, je l'ai rencontré en vrai, juste une perle d'amour. Je recommande énormément à ceux qui veulent aller à ces événements, allez-y, c'est un des rares entrepreneurs francophones à être vraiment aligné. Donc c'est de la bombe et Max, Max Piccinini, qui est très, très 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 puissant, mais qui, moi, voilà, si on a une valeur douceur, empathie, euh, hypersensibilité, ce n'est pas forcément vers Max Piccinini qu'il faut aller, clairement. Voilà, donc c'était mes expériences du week-end, d'ailleurs je suis très curieux si vous voulez partager sur la vôtre, pour ceux qui étaient aussi à l'événement, ou pour ceux qui, qui aimeraient me challenger, en tout cas si vous voulez faire un petit débat, on peut y aller si vous voulez. Euh, donc moi ce que j'aimerais... Euh, Aborder maintenant, c'est la retraite entrepreneur dans le cœur de cette fin d'année. De, de, Donc on va avoir Julien Musi, ça je vous l'ai déjà communiqué dessus. Mais ce qu'on va voir en plus, et qui est, qui est de l'exclus pur, puisque je vais communiquer dessus aujourd'hui, demain et dans la semaine, c'est qu'on va avoir la présence de Youssef Zaza. Alors Youssef Zaza, c'est euh, un entrepreneur qui a vraiment un cœur gros comme ça. Et dans son regard, ça se voit vraiment. Et ça, son, son amour traverse dans son regard. Et ce qui est étonnant, c'est que son expertise, c'est notamment la neurovente. C'est quelqu'un qui est à très haut level dans euh, la persuasion, dans le fait de comment on peut aller jusqu'au bout d'aider les gens, mais il faut leur vendre quelque chose au bout d'un moment. On ne peut pas transformer le monde à un moment donné si on vit pas sa vie correctement matérielle. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois dans le matériel et dans le spirituel pour ça, que pour moi, il incarne parfaitement euh, le type de leader que j'ai envie d'inviter. Quelqu'un qui a très haut niveau. Il a, il est déjà intervenu euh, euh, dans les séminaires de Tony Robbins. Il est monté sur scène avec Tony Robbins. Donc, euh, autant dire que Tony Robbins, coach numéro un mondial. Donc, c'est très high level. Et voilà. Donc, Youssef a sa propre école de closing, donc l'art de la vente. Et c'est là-dessus qu'il nous aidera à comment on peut être un meilleur vendeur aligné euh, avec nos valeurs. Maintenant. Je balance la deuxième exclue. Euh... Allez, non, je ne la balance pas. Je ne le dis pas maintenant, je le dirai, euh... je le dirai bientôt. Euh... Je dirai dans les prochains jours le, le troisième top leader francophone. Je peux juste dire qu'il est multimillionnaire, qu'il est extrêmement aligné avec la spiritualité, qu'il est hyper inspirant. Tout le monde ne le connaît pas, mais euh, sa communauté est très grande. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Donc, euh... j'en dis pas plus. Euh, je balancerai l'info dans les, dans les jours à venir c'est déjà beaucoup ce que j'ai partagé aujourd'hui donc vous avez le lien juste en dessous pour vous inscrire à la retraite, j'aimerais juste dire que les top leaders commencent à être confirmés, j'ai aussi une, une femme leader qui devrait être confirmée bientôt euh, on a le chaman Siegfried Hahn qui revient pour, cette, pour cet événement et Siegfried nous refera vivre l'expérience très forte de la hutte de sudation qui a soudé complètement le groupe dès le premier jour euh, à la retraite de fin, fin août euh, les participants ont vécu quelque chose de très très fort et on pourra revivre cette expérience ensemble pour cette retraite entrepreneur dans le cœur euh, du nouvel an 2022. Donc euh, inscrivez-vous maintenant puisque les leaders en question vont bientôt communiquer sur leur propre liste. Donc les plats risquent de partir très vite dans les jours euh, qui suivent. Si vous voulez réserver, que vous savez que vous avez envie de faire ça, ou vous voulez réseauter avec des entrepreneurs dans le cœur, vous voulez être en contact avec des top leaders de très haut level pendant six jours en petit comité avec 50 personnes, je ne sais pas si vous imaginez le, le cadeau que c'est, euh, et vivre beaucoup de spiritualité, faire le bilan de l'année dans votre entreprise, et euh, méditer deux fois par jour, euh, faire des expériences chamaniques, etc. Bah c'est l'événement pour vous. Donc euh, voilà, j'en dis pas plus. Passez à l'action maintenant si vous sentez l'appel, puisque comme je l'ai dit, les places risquent de partir très vite. Moi, euh, votre fidèle serviteur, je suis là pour vous. Si vous souhaitez me poser des questions sur l'événement, n'hésitez pas. Un des grosses prises de conscience pour moi ce week-end, euh, ça a été euh, l'intervention de Tamika Baj, qui disait qu'un entrepreneur très connu euh, qui partage de la valeur, de la valeur, de la valeur. Et il dit voilà, l'année où il a fait le plus gros chiffre d'affaires, c'est l'année où il a arrêté de vendre, où il a juste partagé de la valeur brute. Pour sa communauté, moi ça m'inspire énormément et je souhaite faire de plus en plus de live, de vidéos, booster ma chaîne YouTube, vous donner un maximum de valeur. Donc préparez-vous parce que ça va envoyer du lourd, du lourd et le poids surtout de l'amour. Je vous fais un big hug à tous et je vous dis à très vite. Ciao.